petite table, une petite bouteille de vin, casserole, poêle, poubelle. Donc petite cuisine, pas Schmitt, mais presque. N'empêche, hein. Donc passé la cuisine, on rentre dans la partie salon. Donc trois canapés, une bonne grosse table de salle à manger. En face du salon, il y a l'installation Hi-Fi, donc bonne grosse chaîne Hi-Fi pour la maison. Avec à côté l'emplacement réservé aux chiens. Donc une belle petite niche, bon gros matelas. Après, justement, par rapport aux gens qui courent devant, par rapport au périphoot et tout. Ah non, ça. Je dirais, je pense pas à eux, ils pensent pas à moi. Imaginez en fait. Des fois, je sors en tatane, je sors en robe de chambre et tout, et avec mon petit café, genre. Et je les vois, et. Mais non, mais arrêtez. Pourquoi vous courez le matin? Ça, ils m'épuisent des fois, ouais, c'est juste. Par la suite, on continue donc une fois qu'on a passé le salon avec le canapé, la petite aménagement table basse, on passe dans la chambre. Donc la chambre comme à la maison, un bon lit de place rehaussé, petite table basse avec télé et armoire en face, petit rangement pour la copine, pour les habits et autres. Petit radiateur aussi posé dans la chambre avec éclairage à la lampe halogène de chantier. Et la dernière fois, les poumons sont un peu pétés là. C'était le problème, un collègue et tout. Ça, je lui demandais d'éteindre la lumière, paf, deux fils qui se touchent. Ah, courju et tout, ça pète. Du coup, obligé de bidouiller pendant 2 jours, j'ai pas eu l'électricité. C'est la merde, c'était un pas de café le matin là. Ah, c'est pas cool. Et donc, je bidouille les fils, la prise elle était arrachée, les ponts ils avaient sauté. Je traverse. Donc, en fait, de mon local, j'ai accès justement à tout l'intérieur du pont. J'ai juste 200 mètres carrés. Et donc, en fait, je traverse tout le pont. Il y a un autre disjoncteur, donc, ouais, obligé d'escalader, de se faufiler entre une porte et tout pour aller allumer l'autre disjoncteur parce que la porte elle est soudée là-bas. Ils ont pas été cons, les mecs non plus. Mon chien ronfle presque aussi fort que le périph. Ça dépend l'heure. Ça, des fois, ça se vaut justement. Ouais, on entend légèrement les voitures passer, mais c'est vraiment sans plus. Le tout n'est qu'une question d'habitude. C'est comme à la maison. J'ai l'électricité, j'ai pas l'eau courante, mais après tu te poses, comme à la maison, quoi. Ça, y a pas beaucoup de différence. Petite installation bien confortable, bien douillette, je dirais.